my fucking god, dude. Ça doit être les 4 mots. Le 5 avec le dude derrière que vous devez vous dire. Dark Funeral sur un Zelda. Un Zelda. Oui, affûtez vos globules oculaires. Je suis bien sûr Zelda Hyrule fucking Warriors. Alors, pour ceux qui me connaissent, oui, non, je n'aime toujours pas Zelda. Enfin, le jeu Zelda. Link est toujours pour moi qu'un petit con. Mais j'adore Dynasty Warriors. À tel point que le Hyrule Warriors que vous voyez là a fait l'impasse sur le fait que ce soit un jeu Zelda. Et vu que j'ai envie de me réconcilier un petit peu avec la licence Zelda, n'est-ce pas? Je me suis dit, bon, je vais peut-être profiter de ce mariage entre une licence que j'aime et une licence que j'aime pas pour essayer d'apprécier l'univers de Hyrule et donc de Zelda. Voilà, c'est votre jugement peut paraître totalement débile, mais c'est comme ça que j'ai aimé One Piece. Je n'aimais pas One Piece. One Piece Pirate Warriors est sorti. J'ai kiffé le jeu. Et je me dis, putain, et si je me mettais à l'anime, parce que j'ai grave kiffé l'histoire du jeu, donc vu que c'est l'histoire de l'anime, donc voilà. Et ça a marché. Et on m'appelle. Nom de Dieu. Attendez. Eh bien, désolé tout le monde. Téléphone, putain de merde, toujours quand il faut pas. Bref, on va donc commencer par aller dans les paramètres, parce que c'est toujours important. Normal, jauge d'énergie vitale. Non, on va désactiver, j'ai pas envie non plus de voir un truc de ouf. Terminer le paramétrage, volume. On va baisser un peu le volume des musiques. Ta da 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 da. Ah oui, il y a aussi la musique que j'aime bien, mais c'est tout. Standard, standard, tout va bien. Si c'est tout est standard, tout va bien. Eh bien écoutez les amis, nous allons commencer le mode légende. Elle joue tellement mal que bah là c'est la pluie qu'elle a tiré, c'est le mal, hein. C'est le mal absolu des ténèbres. Ah, c'est qu'un rêve. Un pas, j'ai encore fait un mauvais rêve. Peut-être est-ce le signe d'une tragédie qui va s'abattre sur Hyrule. C'est à quelle voix je l'ai fait à celle-là? Oui, je vais m'amuser à faire du double. Une tragédie? Si ce présage est vrai, il faut le trouver au plus vite. L'homme en vert. Le héros digne de ce nom. Digne de porter l'habit légendaire. On dirait plutôt un vieux là. C'est dégueulasse. Il n'y a que de nouvelles recrues ici. Nous devrions chercher ailleurs. Regarde-moi ce blondinet là, il a l'air beau. C'est peut-être le héros qu'il nous faut. En plus il a un visage contrairement à tous les autres PNJ. Regarde, il fait des ondes de choc. I'm so strong, bitch. que le mat est coulé. Au rapport. Une horde de monstres est apparue aux abords des rues. Préparez-vous au combat immédiatement. Oui, j'ai fait une voix un peu dégueulasse à celle-là, mais bon. C'est un peu la princesse pisseuse. Eh, c'est la princesse. Tu crois que la princesse Zelda vient faire... Qu'est-ce que tu crois que la princesse Zelda vient faire par ici? Oh shit, je sais pas lire du tout les sous-titres. Ah mais elle se bat et tout Zelda, je crois que c'était qu'une petite fragile en détresse. Oh dear. Mais nous sommes méchants. On dirait que la princesse est en mauvaise posture. Link? Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Je vais me battre. Oui. On est parti. Il fait quoi? Non, il y va franchement là. Un poste est un endroit où apparaissent continuellement des soldats de l'armée qui le contrôle. Oui, c'est logique. En battant le chef de poste, vous pouvez prendre un poste ennemi. À l'inverse, si un chef de poste allié est vaincu, le poste passe à l'ennemi. Oui, ça c'est normal, c'est comme tout Dynasty Warrior classique. Oh là. Ah, toujours de la musique bien badass, made in Warriors. Oui, je vous kiffe. Dynasty Warriors, c'est un peu toute ma vie. Hein. À chaque fois qu'une PlayStation sortait, que ce soit la PSP, PS Vita, PS2, j'achetais le Dynasty Warriors qui allait derrière. Comment on tape? Alors, on va taper toutes les touches. Wow. Woo. Alors, on va faire un espèce de combo carré-triangle. Oh là 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 là. Par contre, on attendait à ce que le jeu soit un petit peu plus
faim. C'est Rocher Nugel. Nous pouvons pas aider ton Alta Zelda. Chef de poste, petit connard. Aider un pas. Bah attends, mais déjà j'ai détruit le chef de poste. Ah, ça, s'il y a bien un truc à focus dans Dynasty Warriors, c'est bien ces connards. Lorsque vous éliminez des ennemis, votre jauge de coup fatal se remplit en appuyant sur A. Vous pouvez utiliser toute la jauge pour déclencher un coup puissant fatal. Ok, c'est A, d'accord. Je ne joue pas avec le Nunchuk. Voilà, j'étais à la prise. Oh putain. Ah, faut que je fasse. Oh! Master Sword! Ok, très bien. Oh merde! Merde, elle est en difficulté. Hop là. Au secours! Aidez-moi! C'est qui parle là? C'est qui dit au secours, aidez-moi? Oh, c'est quoi cette connerie là? C'est qui ça? C'est quoi? Enfin, je connais pas très bien Zelda. Oui, c'est la petite fée à la. Qu'il y a dans tous les Zelda. Merci, je suis la fée Proxy. Ces monstres m'ont attaqué tout à coup. Link, c'est bien ça? Comment tu veux protéger Hyrule des monstres? Bah écoute, actuellement je suis en train de leur casser la gueule, mais c'est à d'autres solutions. Oh, d'accord. Très bien, je vais t'aider. Je suis conforme à une super équipe tous les deux. J'ai un truc, une voix insupportable comme ça un peu. Hop là, des chefs de poste. L'armée des monstres encercle Zelda. Non! Touchez pas ma princesse blondinette adorée! Ah mais je fais ça comment là? Je peux pas rentrer. Je peux casser ça? Avancer sur le châtelet, très bien. Oh god damn! C'est quoi ça? Ouah, il a trop la classe! Pourquoi moi j'ai pas la... On dirait Loubou les gars! Mais c'est Loubou! On dirait Loubou... Les gars, c'est le Loubou de Zelda! Volga, ça doit être un personnage de Zelda, mais il était fait à la Loubou! Les gars, c'est Loubou! Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas le monde Dynasty Warrior... voilà, je suis désolé. Durant certaines de leurs attaques, vos ennemis baissent leur garde. À ce moment-là, une jauge de points faibles apparaît au-dessus d'eux. Si vous touchez un ennemi alors que sa botte est affichée, la jauge se vide petit à petit. Lorsque la jauge est complètement vide, vous déclenchez un puissant coup point faible. Alors je sais pas si... Je connais pas du tout Volga. Est-ce que c'est un personnage de la saga Zelda? Mais en tout cas, là, pour moi, il est habillé en loup-bou. Allez hop. Sauf que Loubou est vraiment 15 fois plus balèze que ça par contre hein. Ouais non mais c'est carrément Loubou. Gamin, tu as réussi à me mettre en colère. Regarde ma main. Oh la damn. Mais peu. Je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Alors, c'est bien. Oh non! Oh là, il va envoyer le fou du dragon. Oh là, il a fait un 4 tonnes. Ta-da-da-da-da-da-da! Alors, tu es bien? Oui! Je suis le chevalier dragon. Da 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 da. Oh putain que je suis trop classe. Oh, je viens d'arracher les ailes du dragon et ne peux plus rien faire. Normal, je suis trop bon. Je casse des pots pour avoir d'argent. Car oui, c'est bon. Alors, ouverture des portes du châtelet. Alors déjà, j'en peux plus que quelqu'un vienne m'aider. Comment je fais pour prendre ça? Il y a un chevalier de siège quelque part? Ah, il est là. Le problème, c'est que moi, je veux capturer ça, là.
Comment on fait pour sprinter? Normalement, il y a une touche pour sprinter. Ah, c'est bon. Alors, toi, tu vas crever. Yaha! I am Link, bitch! Yeah! Wah, 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 tornade à la garenne! Bon, pour le moment, c'est pas trop difficile. Oh putain, là j'aime bien. Ouais, là j'aime bien, franchement, là j'aime bien. Là, je suis fan, là. L'entrée de la grotte est ouverte. Nickel. Là, t'as donné un trésor? Un trésor? Moi, je veux juste des rubis pour le moment. Rubis, trésor. Ah, mais là, calme-toi, laisse-moi ouvrir mon trésor. Très bien, c'est quoi Y? C'est carré. C'est Y, pour moi, c'est triangle, en fait. Qu'est-ce que c'est? Vous avez obtenu des bombes lancées sur vos ennemis ou des rochers pour les faire exploser. Eh ben voilà! Je vais pouvoir aider ma bitch! Pardon, ma princesse! Appuyez sur ZR pour utiliser un objet des bombes, par exemple. Ok, très bien. Ta-da-da-da-da! Ta-da! On l'a bloqué, quel connard! Enfoiré de gobelin de merde! Je vais vous baiser! On est parti, Link! C'est... Oh là! Rejoignez Zelda. Non, je me suis trompé de touche. Eh oui, oui, je me suis trompé. Par contre, ça recharge relativement vite alors que... Normalement, c'est quelque chose qui met un peu de temps à voir dans les Dynasty Warriors. Zelda! Attends-moi! Je t'aime! Bien sûr, c'est pas... On vient de se rencontrer, mais... Je t'aime! Poussez-vous, bande de nuls! Laissez faire le galerie Link. Ah, bombe atomique. Zelda. Zelda. T'es où Zelda? Non. Je vais faire déjà, je vais capturer ici, je pense. Toujours capturer les zones petites. Mais merde, il faut absolument que j'aille aider. Non, mais parce que moi j'aime bien jouer l'objectif et là pour le coup. Copine, non, oui ma copine. Je viens de te sauver. Un chef de poste a été... Oh, ils ont même gardé les brutesses des Dynasty Warriors quand ils font... Regarde, Link! C'est la princesse! Eh bah super, écoute, qu'est-ce que tu vises? Toi, tu étais dans le centre d'entraînement. Et oui, c'est moi le chevalier beau gosse que tu as reconnu. Celui avec la mèche rebelle. D'ailleurs, c'est le nom que l'on me donne. La mèche. Tiens, toi, là... T'es revenu? La première défaite t'a pas suffi? Prenez le fort central! C'est ça le fort central? Ah, des joyeux! Hop! Magie régénérée! Pouvoir magique? Mais c'est quoi le pouvoir magique? Bon, je saurai qu'après l'avoir fait, mais bon. Bon, on va jouer l'objectif, hein. Ils me disent que l'objectif est là-bas, on va aller là-bas. CF au max, parfait. Parce que moi, à chaque fois, chaque fois, je jouais pas l'objectif et je mourais. Ta-da-da-da-da. Pour prendre les forts ennemis et mettre fin à l'arrivée de renforts ennemis, vous devez voir que les ennemis qui s'y trouvent, tu vois ce que la jauge de fort. Ok, très bien. Ah bah voilà la jauge, elle est là. Merde, j'ai pas ce que je voulais faire. En plus, j'ai même pas pu casser le pot de fleurs, quoi. Comme ça à présent, prenez le fort au central. KO. Je vais préparer mon plan d'attaque. Dépêchez-vous de prendre le fort. Bah calme-toi déjà, princesse pisseuse là. Bon là presque. T'as pas regardé ces petits gobelins là, ils sont dégueulasses. Alors
On la contrôle là. L'apparition du boss du fort, est-ce qu'il est ? Bah c'était facile. Hop, on ramasse tout ça. J'ai obtenu un marteau. Où sont les armes ? Ah non, je crois que c'est au début de la mission qu'on pourra choisir deux armes. Allez, c'est parti. Nous avons continué le gros des forces ennemies au nord. Il nous faut maintenant l'aide de la grande fée. C'est qui la grande fée ? C'est qui la grande fée ? Nous affligerons de lourds dégâts à l'ennemi. Vite ! À la fontaine ! C'est quoi la fontaine ? Ok, faut aller par là. Lolo, 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 lolo. J'adore la musique. Elle est vraiment effrénée. Surtout avec ce putain d'univers. Ça ferait vraiment plaisir. Ouais, franchement, là pour le coup, j'aime bien. Pour le coup, j'aime bien. Après, vous allez dire oui, mais c'est parce que, voilà, t'aimes Dynasty Warriors, forcément. Attends, what? Zelda est déjà arrivée avant moi ici, quoi. Non! Mais à chaque fois je fais A sans faire exprès! Oh merde! Zelda ne peut plus avancer. Quel mur! Mais. Pff, tu parles de ce mur, regarde! Oh, bah, 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 oh là, là, le bruit. Ça, ça veut dire qu'on a découvert un trésor, c'est ça? Oui, parce que j'ai essayé de m'y mettre à Zelda. Oh, mais j'ai encore appuyé sur. Oh mon dieu! Parce qu'en fait, j'ai essayé de m'y mettre à Zelda, celui qui était qu'ils ont ressorti en remasterisé HD sur. Sur 3DS, Wii U, mais j'ai pas aimé. Lorsque votre jeu, j'ai plein appuyé sur R pour libérer votre pouvoir magique. Ainsi, votre vitesse d'attaque augmentera et les dégâts subis vous feront moins reculer. De plus, en éliminant un certain nombre des ennemis, vous bénéficierez de bonus divers. Appuyez sur A lorsque vous êtes sous l'effet de votre pouvoir magique pour vider votre jauge de magie déclenchant un fauchage point faible. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Merde, j'ai appuyé sur R. Oh là, Y. Merde, Y c'est ça. Oh damn. Ah mais t'es sexe. Faut la tuer. Ah non, apparemment non, il sourit comme un con. Ok, très bien. Da 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 da, da da da. On a gagné. On est parti. Les ennemis et les alliés possèdent un niveau de morale. Quand le moral d'un personnage est élevé, il brille et devient plus fort. Quand son moral est bas, il s'assombrit et devient plus faible. Logique. Princesse Zelda, repliez-vous, nous occupons du reste. Une passe à un mec ou une meuf? Très bien, soyez prudent. Zelda a quitté le champ de bataille. Ah, le mage. Ah, maintenant on va s'amuser, manne-toi gros. Quoi? What the fuck is that shit? Oh merde! Le roi Dodongo? Le roi Dodongo a rejoint un champ de bataille depuis la place nord. Une sculpture. Il y a 100 sculptures d'or dans ce monde. Si vous utilisez les morceaux qu'elle vous donne lorsque vous les éliminez, des illustres récompenses. Les illustrations, vous recevez des récompenses particulières. Ok, bon, bah on va aller tuer la sculpture d'or. Hop là, esquive.
la tête par derrière. Non, j'ai esquivé là. Merde, non. Putain, ça va plein de bombes, enculé là. Ah, faut y aller là. Enculé, reste ici là. Oh, il sort, il s'en va. Reste là, je t'ai dit. Mal continue à te baiser, mon gars. Je vais pas te laisser partir comme ça. Tiens, je dois avoir des bombes. Terroriste. Ok, les bombes non, sont pas efficaces contre lui. Qu'est-ce qu'il a là d'un coup? Oh là, oh là, oh là, oh là, il va faire un caton. Est-ce qu'il... Tapez-le. Soldats, arrêtez de le regarder! Regardez le regard! Mais qu'est-ce que vous foutez? Arrête-toi, enculé! Merde, la sculpture-là, elle s'enfuit. J'aurais peut-être dû aller la taper, la sculpture-là, là. Mais bon, je pensais qu'elle restait tout le temps, quoi. Mais tu vas t'arrêter, oui! Putain, mais il est inarrêtable, hein. En plus, il se dirige vers le château, le fils de pute. Non, t'iras pas au château des runes, mon gars. Reste ici. Un objet? Genre, mais quel genre d'objet je peux trouver actuellement, là, maintenant? Allez, viens là, là, arrête-toi, je t'ai dit. Mais... Oh putain, mais... Il veut pas s'arrêter? Et pourquoi suis-je le seul à le taper? Il s'en va des bombes, ça te fait quelque chose? Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête-toi, s'il te plaît. Arrête de m'ignorer. Mais il m'ignore. Arrête-toi, enculé! Mais il veut pas s'arrêter! Regardez, il est inarrêtable! Je suis censé faire quoi contre ce côté? Et les autres qui le regardent derrière, regardez-les derrière, ils le regardent! Oh. Allez, viens. Mais j'ai enlevé que la moitié de sa vie, les gars. Oh putain, enfin! Oh god, dude! Oh, c'était difficile! Deux armes obtenues. Oh mon dieu! Nous avons réussi à nous en sortir!
Dame une passe, c'est terrible, le mage ennemi a pris le château. What? Non. Comment? Ce monstre était qu'à l'heure? Son attaché est elle saine et sauve? Eh bien, elle a disparu. Non. Comment? Son attestation est introuvable. Mais je pense qu'elle est saine et sauve. Nous devons la retrouver, et pour cela j'aurai besoin de toi. Link, tu dois devenir le héros digne de cette tenue. En fait, elle est liée à la tenue dégueulasse en fait, le statut de héros. The Triforce is the harmonious union of power, wisdom and courage. It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into four fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. Three of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Ben voilà, parfait. Ok, ok. Élément lumière. Haillons de monstres dans l'inventaire 3. Mode libre, mode aventure, mode défi, garé ont été débloqués. Vous pouvez maintenant jouer un pas. Ouais, mais j'ai pas envie de jouer un pas, quoi. Wouah! Un contre 1000, 1000 ennemis ou plus vaincus pendant une bataille. Ben voilà, beau gosse. Quand vous gagnez une médaille, une notification peut être publiée automatiquement sur Miiverse. Non. Non, merci. Vous pouvez utiliser les rubis et les matériaux que vous avez obtenus en terminant un scénario pour renforcer un personnage. En appuyant sur 1. Ok. Vous pouvez renforcer le personnage que vous avez sélectionné. Je sais le personnage que vous voulez emmener au marché. Ben Link. Fabricant les badges, Bon, on va faire la badgerie. En fabriquant des badges à la badgerie, vous pouvez rendre un personnage plus fort. Un badge ne rend plus fort que le personnage qu'il a créé. Ah, c'est un peu comme. Exactement comme One Piece en fait. Vous pouvez utiliser une potion en cours de bataille. En utilisant un centre d'entraînement, vous augmentez le niveau des personnages, mais leur niveau ne peut pas dépasser celui du personnage dont le niveau est le plus élevé. Plus le niveau d'un personnage est élevé, plus le centre du niveau. Le centre est. Oh, bah, forcément. Ah oui! Comme dans One Piece! Apothicaire. Chez l'apothicaire, vous préparez des élixirs. Une fois préparés, ils sont utilisés automatiquement pour. Par ailleurs, les personnes qui ont créé le badge flacon vide à la badgerie reçoivent des potions régénératrices. Blablabla. Hop, pour obtenir légèrement plus d'armes, augmente légèrement les étoiles des armes obtenues. Alors en gros, je peux passer niveau 4. Là, si j'en ai envie. Parce que l'autre est déjà niveau 4. Oui, je veux. Oh, vous pouvez faire ça dans One Piece aussi. Ouais, c'est, bah, c'est même, exactement le même principe, quoi. Alors, Ariel, est-ce que je peux faire un truc? Badgerie. Badge de défense. On va créer un flacon vide. Hop!
bouclier niveau 4, je peux pas augmenter. Apothicaire. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bah attendez, mais comment j'ai fait pour choisir Ok, non. Bon bah en tout cas les gens, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un max de j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi pour le moment j'aime bien, en plus exactement comme dans One Piece. Donc c'est classé par chapitre, donc il y aura un chapitre par vidéo. En espérant qu'il vous plaise. Je vous fais plein de bisous bisous et je vous dis à très très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde, bye bye.